aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui. Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy. Poppy Sweeting. Poppy Sweeting, oh le nom. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont innocentes. Oh mais qu'est-ce qu'il est beau. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement. Elle s'est fait lécher l'œil. Excellent. Je t'aurai à l'œil toi. Ah, le mec il fait son malin. Mais oui, t'es beau toi, mais oui. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Brosser un flaireur. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir. Ouais, nourrir un flaireur. Voilà, toi je te brosse et toi je te nourris. Tiens, prends. Et toi le troisième, je te fais les deux. Je te caresse et je te nourris en même temps. Ils savent reconnaître les gens bien. On fasse bien s'occuper. Là, c'est vraiment le truc que je kiffe. Veuillez fermer les enclos. Bien, mange. Hop. Bon. Où est notre nouvelle recrue ? La botanique, j'avoue, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. J'ai même clairement dit dans le dialogue à la professeure Bulby que oui, vous aimez les plantes. Je dis non, les plantes, ça m'intéresse pas. Je l'ai clairement dit, le dialogue. Mais là, les créatures magiques, c'est pour moi. Ça, c'est clair, j'adore. Coucou, ça va ? Vous êtes beau, hein ? Hein ? Mais oui, vous êtes beau. Et les boursoufles, là. Voilà, là. Ah, franchement, là, c'est trop bien. À ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Ouais. Tu m'intéresses. Elle veut me présenter quelqu'un dans la forêt. Alors, est-ce que ce serait pas un hippogriffe ? Que j'espérais. Je le veux. Voilà. Attention. Reste là. Moment de vérité. Ouais, c'est bon, c'est un hippogriffe. C'était sûr. Wouah ! Badass ! Oh yeah ! That's for me ! Quelle belle fesse ! Ouh là 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 ! Je te présente Elle Céleste. Elle Céleste, ok. Ah, c'est une fille, ok. Enchantée, Elle Céleste. Vas-y, présente-toi à elle. Je suis pas méchant avec les créatures. Je suis très méchant avec les gens, mais pas les créatures. D'une grande politesse. Tu peux me faire confiance. Bordant un hippogriffe. Oui. Je déteste les gens, mais j'adore les créatures. Donc t'inquiète pas, je veux pas te faire de mal. Vas-y. Persévérance. Allez. Buck. Eh ouais, Buck. Révérence. Là. Est-ce que ça peut s'ouvrir, là ? Niveau 1, ok, cool. Allô, Mora. Ah, ça fait plaisir de pouvoir enfin ouvrir tous les cadenas, là. Il y en a tellement. Voilà. Assez simple, celui-là. Hop. Il y en a tellement à ouvrir que ça fait tellement plaisir enfin de pouvoir le faire, quoi. Pourquoi pas. Oula. Ah, merde. Ah, c'est pas mal. Finité. En fait, en gros, si on la regarde, ça nous... Voilà, on peut faire ça à l'infini. En gros, ça nous fige. Ah, le petit café magique. C'est vraiment un café magique, en tout cas. Parce qu'il est dans la tasse Harry Potter, donc il ne peut être que magique, bien évidemment. Voilà, arrivé. Et ouais, ça y est. Monsieur Wicks n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. Là, il y a... Allez, ça y est, elle commence à mettre des pics. La deuxième, la personne la plus rapide de Serpentard. Oui, toi. Bonjour, Imelda. Ouais. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Pas de problème. Tu as changé d'avis à mon sujet, les autres ont eu peur de toi. Ça veut dire que t'as changé d'avis à mon sujet? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui ont des fidèles. Oh. Vous avez vu le melon de la fille? Tu souhaitais me battre. Moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner. D'accord. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau. D'accord. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui? Oh que oui, et je vais te l'éclater. La course commence. Eh oui, c'est parti. Un défi digne de... 1 minute 56, voilà. Sans faute. Parfait. Ouais.
Ah, ça fait du bien. Bon. Alors, Imelda, t'as ravalé ta fierté ? Je dois l'admettre. Ah, merci. C'est une très belle course. Merci, merci. Et classement, on est où ? De là, oh, sérieux ? C'est consulter ton temps. Oh, c'est pas payé, ça. 1 minute 56,86. Et si j'avais fait 1 minute 55, allez, 35, j'étais premier. Oh là là, la poisse ! Ah ! Parce que j'ai raté quelques trucs, mais vraiment, vraiment presque rien, quoi. Donc en fait, il faut faire le parcours parfait, et normalement, on est en dessous de 1,55,36. Mais moi, j'ai fait 1,56,86. Oh là là, c'est pas payé, c'est chaud. Ah, je suis deg. Non, donc je sais plus si c'est encore le cas. Mais si c'est jamais le cas, bah va falloir attendre 24 heures à chaque fois. Si j'ai vu juste, et j'espère que... Mais voilà, si jamais, c'est... ils l'ont peut-être enlevé, hein, mais... Non, ça marche. Oh bah, tant mieux. Tu vas changer les réponses exprès juste pour pouvoir avoir ton patronus que tu veux. J'en suis à 4 essais. Mais le mec, il est sérieux. Il va passer tout cet après-midi à créer des comptes Wizarding World pour avoir ce qu'il veut comme patronus. Ouais. Ok. Ah ouais, t'as du courage. Hein. Ah, finaise. Mais tu es sûr que tu peux avoir le patronus hibou, au moins ? Parce que, je sais pas si... Enfin... Je sais que tu peux avoir l'aigle, enfin le faucon, tu peux avoir du coup le moi comme j'ai eu le cygne blanc, tu peux avoir les chats, tu peux avoir un hibou en patronus, t'es sûr ? Persévérance, oui, bah là, ouais, persévérance, ouais. Ouais. C'est tout, ouais, enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Oui. Ok, bon, si tu dis que tu peux l'avoir, hein, bah, bon courage à toi, hein, si ça se trouve. Après, si c'est ton quatrième essai, je pense que tu vas bientôt faire le tour des questions, donc tu vas enfin peut-être avoir le bon essai, quoi. Enfin, j'espère pour toi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ouf, j'espère que c'est un truc de fou, j'espère, vraiment. Le défi des clés du Dédale se déroule bien ? Ah, il faut une... Oh, bon, bah, je croyais que ça allait s'ouvrir d'un coup, mais non, faut les mettre une par une. Ouais, un jeton à la fois. Bon, allez, vite. Encore un, qui se cache dans ce coffre. Ok. Qu'y a-t-il dedans ? Quoi, y'a rien ? Eh bien, incroyable. Uniforme antique de la maison Serpentard. Siamol. Waouh ! Attendez, à quoi ça ressemble ? Uniforme antique de la maison Serpentard. Ah oui, non, c'est un transmo. Ok, attendez. C'est celui-là. Uniforme antique de la maison Serpentard. Bah, en vrai, je suis pas fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère celui que j'ai sur moi, quoi, celui-là. Je sais pas, il est pas ouf, en vrai, hein. Et un Ellie, ok. Ah, peut-être que toi, tu vas nous donner quelque chose de plus intéressant. J'espère vraiment, parce que là, je suis un peu déçu. 16 jetons pour avoir ça ? D'accord. Bon. D'accord. Pourquoi pas, mais... C'est un peu nul. À moins que je... J'aime pas. Alors. Bonjour Nelly. En fait, j'ai pu trouver toutes les clés et j'ai ouvert le coffre de ma maison. Oh, formidable ! Qu'as-tu trouvé ? Il y avait un costume assez intéressant dedans. Superbe ! Merci beaucoup d'avoir percé ce mystère à jour pour moi. Je me suis toujours demandé à quoi menaient ces clés. Et c'est tout, tu donnes rien non plus. C'est vraiment pourri, quoi. Genre, j'ai rien, là ? Vraiment ? Ah ouais ! Ah, la déception ! Ah bah, je n'ai pas eu beaucoup de déceptions de ce jeu, mais là, ok. La quête, en fait, elle sert à rien, quoi.